Bonjour, chers amis. Un jour, en lisant les évangiles, je suis tombée sur cette parole. Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Je me rappelle que j'avais été saisie par cette parole. Pourquoi? Parce que je venais de prendre ma retraite, où j'avais exercé ma profession d'infirmière pendant 40 ans et j'abordais une nouvelle tranche de ma vie, celle de la retraite. Et je me demandais bien le chemin que je devais prendre. Dernièrement, à cause de la pandémie, j'ai dû interrompre toutes mes conférences parce que depuis ce moment-là, ça fait 18 ans maintenant que je donne des conférences, et voilà que tous mes engagements ont été annulés. À vrai dire, je venais de sortir mon deuxième livre qui s'intitule « Renaître », qui explique tout mon cheminement de guérison. Et je faisais la promotion de mon livre quand tous les engagements ont été annulés. On a décidé de faire ces petites capsules vidéo pour continuer le chemin que j'avais commencé, celui de parler de mon histoire. Une partie de mon histoire est déjà connue du public québécois, parce qu'en 2006, le journaliste Harold Gagné de TVA m'avait interviewé et nous avions fait cette émission après 17 ans de silence. Silence de quoi, me direz-vous? C'est ce qui me ramène à l'événement de Polytechnique, au 6 décembre 1989. Bonsoir, un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école Polytechnique rue Édouard-Montpetit à Montréal. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce qui s'est passé ce soir à l'école Polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Au détail, Marie-Claude, oui, essentiellement fondée sur les observations policières des quelques dernières minutes, on vient de sortir à peine une demi-douzaine de blessés. On nous dit qu'il y en a 8 qui ont été acheminés dans les hôpitaux ici de l'arrondissement, les hôpitaux Montréal Général, etc. Et il y a, sous toute réserve, 3 personnes qui auraient trouvé la mort, sans compter évidemment l'individu qui a tiré sur tous ces gens-là. Dans un geste de désespoir, ça a été confirmé un peu avant 18 heures, l'individu se serait suicidé. Je me rappelle très bien. Je revenais d'une formation avec les infirmières, j'ai ouvert mon téléviseur pour écouter les nouvelles et on venait d'annoncer qu'un tireur fou était entré à l'École polytechnique de Montréal, avait abattu 14 jeunes filles et s'était enlevé la vie. Je me rappelle avoir été traumatisée par cette nouvelle et je me rappelle aussi que c'était un mercredi soir. Pourquoi? Parce que j'étais déjà chrétienne et je me rendais à une réunion de prière. Dans mon cœur, j'ai comme été poussée à demander la prière pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. Ce n'est que le lendemain soir, après la deuxième journée de formation, en me rendant au bureau, il y avait beaucoup d'effervescence. Tout le monde était encore présent alors que normalement, tous auraient dû avoir quitté le bureau et je me demandais bien ce qui se passait. Quand je suis arrivée dans mon bureau, un de mes frères m'avait appelé et j'ai signalé son numéro. J'étais surprise parce qu'il ne m'appelait jamais et en l'écoutant, il me dit « On pense que c'est Marc » et j'ai dit « Quoi ?» Il venait de m'annoncer que mon fils probablement était l'auteur de ces crimes crapuleux. Et au même moment, je vois entrer dans le bureau 2 détectives, c'était des policiers habillés en civil, qui venaient me chercher et qui m'amenaient en criminel pour être interrogé. C'était une expérience très, très, très difficile à vivre. Et c'est là
où j'ai compris l'odieux des gestes de mon fils. Lui s'est enlevé la vie, mais il m'a laissé toutes les conséquences de ses gestes. Je me sentais traitée comme une criminelle, comme si c'était moi qui avais commis ces crimes. Les policiers voulaient que j'aille identifier le corps, mais j'en étais incapable. Et en un instant, ma vie a basculé complètement. J'avais encore une fille. Et forcément, tout parent qui a encore un enfant va vouloir le protéger. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas faire le deuil de mon fils. C'était trop public. Alors, j'ai essayé de protéger ma fille. Mais vous savez, ma fille ne portait pas le même nom que son frère, car il avait changé son nom à l'âge de 14 ans et son prénom. Et ma fille, quand elle était au collège, n'entendait parler que de cet événement de Polytechnique. C'est évident qu'elle ne levait pas la main pour dire que c'était son frère qui avait commis ces gestes. Mais tout comme moi, elle avait des émotions de honte, de culpabilité, de peur et de colère qui la rongeaient. J'étais croyante, donc je me suis dit, personne ne peut comprendre ce que je vis. Aucun humain ne peut comprendre ce que je vis. Et c'est alors que j'ai décidé de me confier en Jésus pour avoir le réconfort nécessaire et pour être capable de passer à travers cette tourmente. Mais ma fille n'avait pas la même foi que moi. Et vous savez, quand on ne croit pas dans son Créateur, on va croire en autre chose. On va mettre notre foi ailleurs. Et malheureusement, souvent, ce sont des dépendances, que ce soit l'alcool, les médicaments, les relations toxiques, un amour sexuel débridé, quelle que soit l'issue. Ma fille, elle, avait commencé à consommer. Et 7 ans après la mort de mon fils, voilà que les policiers reviennent chez moi pour m'annoncer que ma fille avait commis une overdose de cocaïne et finalement, elle en était morte. Ma raison de vivre jusqu'à cette période, c'était mes enfants. Parce que j'étais déjà séparée depuis que mes enfants étaient tout petits. J'avais laissé un mari à cause de la violence conjugale. J'ai travaillé très fort pour subvenir aux besoins de mes enfants alors que je ne recevais pas de pension alimentaire. Au Québec, à ce moment-là, on ne protégeait pas la femme encore. Et j'ai dû travailler très fort pour leur fournir une bonne éducation pour qu'ils puissent commencer leur vie. Mais au moment où ils auraient dû commencer leur vie, à 25 ans, mon fils se suicide et entraîne avec lui 14 jeunes filles innocentes. Et ma fille, à 27 ans, est emportée par une overdose de cocaïne. Évidemment, j'ai eu une période où j'étais vraiment déprimée. Mais un jour, j'ai réalisé, Monique, tes enfants sont morts, mais toi, t'as encore le souffle de vie. Tu es encore en santé, tu as encore ton intelligence, tu as encore des capacités que tu pourrais utiliser pour aider des personnes qui, comme toi, souffrent en silence. Et c'est alors que j'ai décidé d'accepter cette invitation de M. Gagné pour une première entrevue publique. Évidemment, cette entrevue, je l'ai fait à visage découvert et par la suite, on nous a demandé d'écrire un livre, un premier livre que nous avons intitulé « Vivre ». Pourquoi? Parce que je ne voulais pas être en mode survie.
Je voulais vivre pleinement ma vie et être au service des autres qui souffraient en silence. Pendant ces 17 années de silence émotionnel, j'en ai profité pour étudier, pour lire, pour suivre des cours, parce que je voulais comprendre les mécanismes intérieurs qui nous habitaient et toutes ces émotions qui se bousculaient à l'intérieur de moi. Je vous les ai mentionnées, la honte, la culpabilité, la peur, la colère, toutes des choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous créent des problématiques. J'ai suivi ces cours pour être en mesure de guérir des blessures émotionnelles. J'avais entendu parler d'un certain monsieur Régier qui avait fondé et ouvert le groupe Cœur à cœur, une formation pour nous aider à comprendre les blessures émotionnelles et spirituelles. Voici ce que monsieur Régier dit. Les blessures émotionnelles de notre passé modifient nos comportements. Comment on se perçoit? Comment on réagit aux autres? Comment on les traite? Comment on réagit envers ceux qui ravivent notre douleur? Et aussi comment on perçoit Dieu? Il est important de résoudre nos douleurs émotionnelles pour ne pas perturber nos relations. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de relation. Et c'est important d'être capable de vivre en paix, vivre dans l'amour, la joie. Mais ceci, il faut faire parfois des efforts personnels pour arriver à surmonter tous nos troubles ou nos problèmes intérieurs. C'est donc le défi que je me lance aujourd'hui en voulant partager avec vous cœur à cœur. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes intéressé à me suivre, faites-moi part de vos questions, de vos commentaires. Nous allons indiquer les adresses où vous pourrez communiquer avec moi et aussi les adresses où vous pourriez vous procurer mon livre. Si vous avez l'intention de faire un don, ça m'aiderait pour mon ministère, vous aurez aussi une adresse mentionnée plus loin. Je vous attends pour la prochaine capsule vidéo dans 2 semaines où nous parlerons des étapes du deuil. Et les étapes du deuil ne concernent pas seulement ceux qui ont ou celles qui ont perdu un être cher. Toutes les pertes que nous avons dans notre vie, un diagnostic de cancer, des études qui ont été ratées, n'importe quelle perte qu'on subit dans notre vie, une relation qu'on a perdue, tout ceci va enclencher un processus en nous. Et c'est important de comprendre les processus pour être capable ensuite d'identifier nos problèmes ou nos réactions afin d'être en paix et de mieux vivre. C'est donc un rendez-vous. À bientôt.